Si aprirà l'anno della famiglia Amoris Laetitia, un anno speciale per crescere nell'amore familiare. Invito a uno slancio pastorale rinnovato e creativo per mettere la famiglia al centro dell'attenzione della Chiesa e della società. On est très heureux que l'Église ait décidé de mettre les familles au centre de cette année. Quelle que soit la famille, quel que soit son état, quelles que soient les difficultés qu'elle traverse, on parle vraiment de toutes les familles et ça, ça nous rend très heureux. Alors avec la pandémie, on s'est rendu compte que la famille, c'était en même temps le socle de notre vie et quelque chose de très important et qui nous soutient, et en même temps quelque chose de fragile dont il faut prendre soin. En réalité, un immense chemin est devant nous et l'on espère que se lèveront de nouveaux acteurs pour y donner rendez-vous. Car au milieu de tant de fragilités et sous des vents contraires, l'Église ne peut jamais se détourner d'annoncer la bonne nouvelle de la fidélité de Dieu qui se vit dans l'amour conjugal et familial. Nous serons ainsi des serviteurs joyeux et créatifs de la mission de l'Église dans la vie des familles. Chaque famille doit savoir que l'Église est à leur écoute et à leur portée, peu importe les circonstances de leur vie. Et tout l'enjeu, c'est ça, c'est de permettre de faire en sorte que la personne ait une vraie rencontre avec le Christ. Moi, je crois très fort au fait de partager les choses ensemble, de participer à un événement qui puisse être un élan, vraiment quelque chose de motivant. Nous avons une année pour nous mettre en route vers Tous en Cœur. Ce sera le point d'orgue de cette année pour la famille, voulu par le pape François. Jeux, des conférences, des prières, des stands, des rencontres, du sport. Ce sera autant de choses que l'on vivra au cours de cette journée. À nous, chacun, de sensibiliser et d'inviter les familles que nous connaissons ou que nous croisons dans les écoles, dans les paroisses, dans nos propres familles ou encore dans les mouvements. Il y a des outils qui sont mis à disposition, des parcours catéchétiques, des jeux, des animations, tout ça pour faire connaître le Christ. Alors, portons dans notre prière ce rassemblement et mettons-nous ensemble vers Tous en Cœur avec Jésus le 12 juin 2022.